papa. Ça va? Salut, ça va? Ouais, t'as fait bonne route? Bah bien. Bon. Et toi? Bah écoute, très bien. Bah alors, on a rendez-vous là, mais pourquoi? Ah, bah j'ai une petite surprise pour toi. Je voulais te faire un gros cadeau, je voulais t'offrir une nouvelle auto. Non. Allez, non. Si. Allez, non. Viens. Et voilà, c'est celle-là. Non, mais tu plaisantes là? Non, pourquoi? Bah, c'est pas la nouvelle Alpine? Si. Si, si, la nouvelle justement. A110. Eh oui, c'est la toute nouvelle A110. Et si. Alors, qu'est-ce que t'en penses? En plus, bleu. Ah non, mais attends, c'est splendide. C'est splendide. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, en plus. Celle-là, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Hein, celle-là, donc, ouais, ça fait plus longtemps qu'il en est. C'est vraiment... elle est bleue, donc ça rappelle aussi l'ancienne. Hein, ouais, complètement. Que, bon, c'est vrai que c'est la même couleur. En général, la couleur préférée pour les Alpines, c'était bleu. Hein, pour les berlinettes, surtout. Hein. C'est vrai. Regarde, tout est repris. Alors... Ah, mais le dessin des jantes qui reprend un peu l'ancienne. Ouais. On a aussi même la découpe custode, de vitre ici, voilà, la custode. Là aussi, là, même les flancs. Le flanc là, oui, ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vraiment réussi hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Le logo Alpine qui est là. Oui. Hein, ouais, ouais. Et puis non, même l'avant. Dire, regarde l'avant. Elle est splendide le profil. Qu'est-ce que tu en penses de cet avant, toi, papa? Ah, bah le capot, attends. Le capot nervuré. Splendide, les longues portées, non, ils sont vraiment bien réussis. Et attends, t'as pas encore vu l'intérieur? Allez, on viens va, voir, alors. Allez, viens voir. Vas-y, installe-toi. Ah bah c'est pas mal, non? Déjà, je pense que c'est plus facile qu'avec celle de collection, non? Bah oui, y a pas de problème. Bon. Y a pas de problème. Eh ben, c'est bien sympathique. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, hein? C'est réussi. Rien à dire. C'est vraiment sympathique, c'est bien fini. C'est bien présenté. Ouais. T'as plein d'équipements de confort. Ouais. T'as le GPS. Ouais. Y a l'écran. T'as plus de pédales d'embrayage. Ouais, maintenant, c'est directement les palettes au volant. Ouais, ça, c'est quelque chose de sportif. Ouais. Et même pour démarrer, c'est beaucoup plus simple. T'as juste appuyé sur un bouton. Ah oui, bah, sur l'autre, il y a la clé qui est en dessous. Il faut aller la chercher, ça, c'est sûr. Bah là, c'est juste bah, là. Oui, bon, bah, écoute, puis bon, t'as tous les équipements de confort, la climatisation. C'est tout ce qu'il faut. Rien à dire, c'est bien. Ah, même plus les odeurs d'essence à l'intérieur. Ah ouais, bah ça. Ça, c'était un contournable. Ça, c'était un contournable. Ah oui. Non, non, il n'y a rien à dire. C'est pas à mon goût personnel, hein. Les goûts et les couleurs, mais. Et puis, bah, le rappel du bleu à l'intérieur, quoi. C'est, ouais, ils ont même fait un petit drapeau français juste là. Ouais, et puis aussi la déco, là, la céleri. Ouais. Ouais, ils ont mis qui rappelle le 110, là c'est... Il y a un peu de façon carbone là, on a même de la cantération de volant. C'est chouette. Vraiment, hein. Tu sais ce qu'ils ont mis comme moteur là-dessous? Non. Alors fini le 1,6 litre qui fait 120 chevaux, maintenant c'est un 1800 turbo de 250 chevaux. Ah ouais. Allez viens, je vais te montrer. Ouais, alors une remarque, c'est plus facile à sortir que dans l'autre. Hein. Ça c'est beaucoup plus pratique. Alors du coup ils ont gardé l'esprit de l'ancienne. Ouais. Parce que le moteur il n'est pas sous le capot avant, il est à l'arrière, donc il est centré à l'arrière, et il est juste là. On peut même l'apercevoir. Ah, ouais. Alors du coup il fait 250 chevaux, elle atteint 250 km/h. Uh-huh. Alors c'est quand même mieux que la voiture de collection, là, qui doit atteindre 180 à l'heure. Non, 210. 210 ? 210 maxi, c'était donné pour 210 maxi. Bon. Mais bon. En tout cas, celle-là elle va quand même un peu plus vite. Ouais. Et puis elle accélère fort, hein, parce que comme c'est une caisse qui est totalement en alu, qui fait à peu près 1100 kg, un peu moins de 1100 kg, on atteint 0 à 100 en 4 secondes 5. Ah, c'est pas mal ça. C'est quand même pas mal. Hein. Ah oui, oui. C'est quand même pas mal. Hein. Mais c'est une boîte qui est robotisée aussi. C'est une boîte qui est robotisée, ouais. Plus de boîte manuelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a les palettes au volant et que. C'est beaucoup plus confort aussi ça. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais elle est vraiment réussie cette voiture. Elle te plaît alors, papa? Bah, de toute façon, si elle n'avait pas été réussie, ils n'auraient pas tout vendu en quelques jours. Parce que, c'est ça. Je sais pas, bon, moi, j'ai été au courant par la presse qu'ils en ont vendu 1955 en quelques jours. De quelques jours. Donc, ça signifie elles sont toutes parties. Bah, les gens, ils se sont aperçus que la voiture est réussie, ils ont commandé. Ah oui, c'est ça. Parce que, bon, on pourrait peut-être faire un essai, non? Bah là il y a un petit problème là, c'est que la voiture, ça c'est une version de pré-série, c'est dans les 1955 exemplaires. Alors elle est commandée, mais elle sera disponible que en décembre. Donc je suis désolé papa, mais il va falloir que tu sois un petit peu patient. Ouais non mais là tu me fais saliver.
pars avec la tienne? Avec celle de collection. Avec celle de collection. Ok, bah j'ai pas le choix. Hein. Bah allez. Allez, on y va.